Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de survie du week-end avec The Long Dark. De toute façon, on fait que The Long Dark hein, pendant le week-end. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté donc ici. Ici, le campement inactif. Donc, on n'est pas très très loin de la zone principale. Ce qui est pas mal, c'est que notre zone principale, en fait, notre camp, il est un peu au centre. Bah, il est au centre de la carte, en fait. Donc, c'est vraiment sympa, en fait, ce système-là aussi. Alors, on avait dit qu'on voulait remplir notre travois et tout simplement partir. Alors, le problème. Donc, on a de l'insomnie, comme d'hab. On commence à avoir l'habitude. Ouais. Le problème, c'est que. Il y a toujours, en fait. Le brouillard. Et on voit pas grand-chose. Vous avez compris pourquoi? Parce que c'est un brouillard. Bon, après, il fait pas très froid, donc ça c'est une bonne chose. Donc, on va devoir rentrer dans le brouillard. C'est peut-être pas vraiment la meilleure des choses, mais bon. Parce qu'on veut, on veut ramener en fait tout ce qu'on a trouvé, tout simplement. Parce qu'on a trouvé quand même pas mal de choses. Ce serait bien de mettre tout ça au campement. Alors, est-ce qu'on peut vivre là? Honnêtement, moi, il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire ça. Moi, je suis pas du tout fan, en fait, d'avoir plusieurs campements dans une même région. Je préfère avoir un seul campement dans une région, même si techniquement on pourrait en faire plusieurs et tout ça. Donc, ouais, c'est plus mon style, ça. C'est plus mon style en fait d'avoir un seul campement dans une seule région. Et après on prend ce qu'on a besoin pour voyager hein, depuis le campement principal en gros. Donc je veux faire ça. À la limite le bois on n'a pas vraiment besoin de le récupérer, ça non. On ouvre les rideaux hein, par le fait de les déchirer en fait. Mais ouais, je veux... Je veux qu'on rentre là et qu'on dépose tout ce qu'on a. Ok, très bien. Ça nous en fait pas mal. Bon ben... Ouais, 58 kilos, ça fait un peu lourd. Hein. Ça fait un peu lourd à traîner comme ça. Ça en va être... Ah! Yes, let's go. Let's go. Ouais, le bois qui est là, on va le laisser. On va peut-être le récupérer en passant. Je suis pas sûr. Il y a une zone toxique à passer. On peut peut-être couper à la limite. Alors, on va essayer d'aller vite. Ça, je le garde sur moi parce qu'on peut peut-être faire peur au loup en fait. Avec le... Je vais être honnête, c'est un peu une connerie de faire ça. Je préfère les tuer en fait. Okay, go. Je préfère honnêtement les tuer, les loups, que leur faire peur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe sur le côté droit. Ah oui, ça c'est tous les loups qu'on a tués. Est-ce qu'on passe sur le côté droit, en ligne droite ou pas? Je dirais que non, je pense qu'on peut éviter. Attendez, on va s'arrêter là. Là, on a tué trois loups la dernière fois. Je vais voir s'il n'y a vraiment rien en plein milieu. Il n'y a pas de cadeau qui traîne. Je fais un peu le tour vite fait. Je prends pas le traîneau parce que je veux voir s'il y a encore des loups qui traînent en fait dans cette direction. Genre là, comme ça, là. Parce que nous, on va faire ligne droite là. Mais je veux pas de surprise sur le chemin.
Ok, ça a l'air pas mal, fais voir. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, si on se bouge les fesses, on peut peut-être faire un feu avec, avec le soleil. Mais on fait un aller-retour et on part. Ah, c'est cool. Très bien. Ouais, on va faire un feu, on va se réchauffer, on va prendre de la nourriture et on repart direct. On va tout décharger dans le bâtiment. Comme ça, on se fait pas vraiment chier. Alors maintenant il faut faire attention si les loups sont pas réapparus. Comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'ils réapparaissent plus vite ceux-là. Ok, donc on peut passer. Parce qu'à gauche c'est toxique, du coup on pourrait passer par là. Ah, on peut complètement ignorer. Enfin éviter la zone. Ah, ça c'est cool. Oh non non, c'est nickel. On fait comme ça et après on va à gauche. Ah, techniquement, on n'a pas besoin de faire du feu. Parce que je voulais faire du feu pour chauffer mes boissons. Mais honnêtement, on n'a pas besoin. Voilà, très bien. C'est bête qu'on puisse pas vraiment tourner la tête. Là, c'est très très embêtant. C'est bien parce qu'on dirait vraiment que c'est pensé exprès pour le ranger en fait. Voilà, très bien. Tada! Alors avant que j'oublie, parce que je vais oublier sinon, on va le faire directement. Donc on m'a dit là-bas je crois. Je ne voudrais pas trop me fatiguer parce qu'on a l'insomnie. Alors l'insomnie, honnêtement, je pense pas que ce soit très très dangereux pour nous. On est toujours très très haut en vie et tout, on fait toujours très attention. Mais j'avoue que si on peut éviter de trop avoir des problèmes avec, autant genre ne pas se fatiguer pendant qu'on a l'insomnie, parce qu'on doit encore sûrement attendre pas mal d'heures. Alors je crois que c'est ce bâtiment avant que ça parte, donc on va attendre. Sur le tableau. Ok. Alors oui, il y a... il y a des cadavres qui apparaissent et qui disparaissent. C'est un fait. C'est un fait. Pour le moment, il n'y a pas eu de fixe. C'est ici ou pas? C'est où qu'il y a un tableau? Ah, c'est là. Là, 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 là. Alors... Juste après les fondations en ruine, là-bas près du rebord, il y a une vue d'enfer. Ok. Donc on a un problème hein, avec les photos. Hein. Ça marche pas du tout. Hein. Les photos ne marchent pas du tout.
Je vais être honnête, j'ai peur que ça soit complètement buggé. Oh, mais je l'ai pas vu. Ouais. Je crois qu'il y a des containers aussi qui apparaissent et qui disparaissent. Je pense que les photos, elles sont buggées ici. Et genre, vu qu'on les a pris, honnêtement, je crois qu'elles vont pas être trigger. Et du coup, on va pas pouvoir les utiliser. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais bon, c'est chiant. Encore une fois, une mécanique toute basique que plein de régions font et Interland n'a pas pensé à vérifier ça, comme d'habitude, quoi. Et ouais, nous on en a deux en plus de photos, mais bon, y a la carte apparaît jamais, la carte fonctionne pas. Et j'ai peur que ça soit pas corrigé, qu'ils puissent pas le corriger en fait. Même s'ils le corrigent, nous, vu qu'on a déjà pris les Polaroids, c'est mort. On va rien trigger du tout, je suis sûr. Donc du coup, bah voilà, on fait sans, c'est pas grave. Alors, on va mettre... Tac-tac. J'avais dit que je mettais tout à l'intérieur pour gagner du temps. Donc je vais faire ce que je dis. Je vais prendre une flèche de plus par contre. Ma lampe, elle est au max. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ça, on dépose. Ça, on dépose. Ouais, la flèche, elle peut rester là, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On garde les chips de côté ou pas? Nourriture pour chien. Nourriture pour chien, on va peut-être la manger. Merde, non, ça non. On a encore les... Non, j'ai complètement enlevé les... Les ouvre-boîtes, c'est pas grave. Ça, on garde, ça, on garde. J'essaye de faire le plus rapidement possible. Je le rangerai, moi, entre deux épisodes. J'ai pas de problème. Très bien, très bien. 43 kilos, on est encore lourd. Ça. On a encore du charbon pour dessiner. On a le bois, je vais le jeter. Ça, je le garde parce qu'on va devoir sûrement réparer le travois. J'ai beaucoup d'eau sur moi. J'ai beaucoup d'eau sur moi. Je pense qu'on est bon. Quarante-huit %, ça va. Il te reste combien? On va tout prendre, c'est pas grave. À la limite, je voulais juste l'ouvrir et la garder de côté, mais en fait, ça sert à rien, c'est pas grave. Vu qu'on l'a ouvert, autant la finir, c'est pas important. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait? Je rentre dans le bâtiment à chaque fois parce que comme ça on se réchauffe. On en profite pour se réchauffer. Alors, dernière vérification, il faut qu'on fasse à manger. Non, faut qu'on trouve à manger en fait. Parce qu'on va commencer à être un peu à court là. On est à 45 kilos. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'eau. Donc
Ça va. Ça peut aller. Allô? What? T'es à 8 sur 10, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, ce jeu. What? Je peux. Allô? Je peux plus rien mettre dans les. Là, ça marche. Fais ma gueule là. Ça marche. Je sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que je vois ça. Première fois, absolument première fois que je vois ça. Allez, go! J'avais dit qu'on pouvait potentiellement faire un feu, mais on n'en a pas besoin, honnêtement. On va continuer à partir, enfin, à découvrir. Ce qu'on va faire à la limite, c'est qu'on peut se reposer du coup au camp inactif là. À la limite, on peut faire ça. C'est quoi ça? Vu que je compte un peu dormir, les pourcentages vont baisser, c'est pas grave, y a pas de problème. Alors, fais voir un peu là ce qu'il y a. Genre ici, parce que nous on sait qu'il y a la mine de l'autre côté, mais vu que là il y a aussi une sorte de cuvette là, autant regarder ce qu'il y a dedans. C'est un bâtiment ça? Attends, fais voir un peu. Comment on y va? Oh, c'est un peu la merde. Méga haut, comment je fais moi? Faut pas trop rester dans le périmètre parce qu'il y a du toxique, donc je sais pas vraiment à quel moment je le touche. Oh merde. Attends, ça c'est. Là, là. C'est trop toxique là. Non, attends, faut trouver un endroit qui est pas toxique. Alors, du coup, il y a le bâtiment là derrière nous qu'il va falloir. Prendre 3%. Bon, on va fouiller ça.
Alors, peut-être qu'on va devoir rester ici et dormir à la maison. Ah, c'est un bâtiment en intérieur. Alors, peut-être que là, il n'y a pas de toxicité. Ça part ou pas? Oui, ça a l'air de partir. On est à combien? 40%, ok. Je regarde dans une minute. Pas dans quelques secondes. Mais normalement, ouais, ça devrait être bon. 40%. Oui, je pense qu'à l'intérieur du bâtiment, ça va. Ouais, ça va. Ça faisait un peu peur. Puis ça sert strictement à rien de venir ici, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, on va rentrer à notre camp principal. On va rentrer à notre camp principal parce que je voudrais un peu éliminer du poison là. Donc là on doit être à quoi, 45, 46 même. Donc ça c'est un problème. Ah, on a une aurore boréale en plus, super. Ah, c'est non-stop, hein. Bah après, honnêtement, c'est pas vraiment dérangeant. Faut absolument qu'on trouve des choses à chasser. Qu'est-ce qu'on fait? On passe sur la gauche plutôt, peut-être? De la zone, peut-être que ce sera un peu mieux pour chasser, j'y ai pensé. Alors, on va passer un peu de temps, on va se fatiguer un peu, et puis après on dormira. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, on a pris le coup, hein, de voir comment ça fonctionne et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de complications. Ok, est-ce que je dois réparer des trucs? Bon, ça, on peut toujours pas. Vu qu'on a l'aurore boréale, on va coudre. Très bien. Pour réparer le travaux. Je l'ai par... Oui, il y a le travaux. Réparer 50... Ouais, mais le maximum, c'est 70%, donc on le garde de côté. On a toujours la peau et le boyau. Oui, on a toujours la peau et le boyau. Ouais, on est bon, on est bien. Je vais voir si je peux pas réparer autre chose. Parce que vu que maintenant, on sait qu'on a des tonnes et des tonnes de tissus, j'ai envie de dire... voilà, quoi. Un peu fatigué. Allez, on va faire ça et après on dort. Ce serait limite à... Oh bah, parfait. Limite à prendre une tisane, mais je vais être honnête, ça sert pas à grand chose. Parce qu'on est à l'abri en fait, donc il n'y a pas vraiment de problème. Même si on se réveille, on s'en fout quoi. Puis en plus on a de la vie. Ok, calme. Alors,
Hop. Je voudrais bien, dans un sens, voir si on se réveille. Parce que honnêtement, je crois que je me suis jamais réveillé à cause de l'insomnie. Bah voilà, encore une fois, on s'est pas réveillé de l'insomnie. Je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas. Allez, on y va. Bon oui, là par contre, il nous faut de la nourriture, on n'a plus rien. On a, enfin, plus de viande. Donc, de l'eau on a. Ouais. On est à 42. Ah non, on va continuer notre exploration. Après, on a encore, techniquement, on a encore pas mal de nourriture. Ça va, c'est pas. J'ai envie quand même d'explorer parce que si on tourne en rond. Il est un peu froid par contre. Corbeau un peu à droite à gauche. Ça, c'est bien d'avoir l'équipement. J'étais en train de me demander si ça valait le coup de se mettre en full mineur en fait, mais au final non, pas vraiment. Nos équipements sont bien meilleurs. À la limite, on pourrait se faire le cosplay du mineur dans les mines, à la limite. Mais bon, c'est pas vraiment très intéressant. Peut-être pouvoir faire un feu, vu qu'il fait très très jour. On va donc s'arrêter vers les maisons. Et après... Il y a un loup là devant moi, non? Ça là. Ah non. Si? Non, non, non. On s'arrête vers les maisons, le temps de se réchauffer. Est-ce qu'on fait un feu pour genre chauffer nos boissons? On pourrait. On pourrait faire ça. Faire attention à ce qui vient de se passer là. Si jamais vous avez un loup qui est proche, il va vous foncer dessus. Il détecte que vous visez en fait, donc ça peut être dangereux. C'est pour ça que quand je prends des objets, je range l'arc en fait. Là il y a nos trois loups, mais bon, on n'a pas vraiment besoin des boyaux ou de la peau non plus. J'ai vu, il y a des gens qui changent d'équipement, hein, honnêtement. J'ai vu ça. Hein. Il y a des gens qui se disent des fois, ouais, ça sert à rien de prendre l'ours parce qu'on sait qu'on va avoir froid, donc on met des trucs un peu plus légers et tout. Dans ma tête, je me dis, ouais, ça a du sens. Mais bah, la défense, quoi. Parce qu'il n'y a pas que la chaleur en fait, il y a la défense aussi. Attendez, on va tester si on peut faire du feu. Là, on peut le faire. Bon, bah, tant mieux. On fait un feu, on prend la torche et on rentre à la maison.
Comme ça, on aura un peu plus chaud. Parce que je veux pas faire un feu qui dure 3 ans, là, en fait. Je veux juste réchauffer mes trucs et on se casse. Voilà, très bien. Ça économise. Alors, on va mettre ça. Voilà, nickel. Alors, non, je vais me mettre bien proche du feu. Donc, est-ce qu'on prend un café ou un truc comme ça? Je pense pas qu'on en ait besoin. Ça, on va le manger parce que comme ça, on aura plus 3 pièces de viande. Nous, on avait pas mal... Ouais, on en a 7. Donc on peut en boire un. Ok, ça marche. Alors, c'est où mes trucs là? Ça, il faudrait que ça soit en raccourci. Enfin, je sais pas, quelque chose... Une façon plus facile, en fait. Tout mettre dans l'inventaire. Alors, c'est combien maximum? C'est 8. Hein. Donc 8. 5, 6, 7, 8. On va faire ça. Ah putain! Pourquoi j'en ai mis 9 qu'on va en boire, hein. Ah oui, mais attendez. C'est lequel qui a 100? Très bien, on y va, on se casse. Alors, je veux bien continuer le long des rails, en fait. Et un peu cartographier les rails. Parce que là, on a vu qu'il y avait des choses dans les hauteurs, là. Il y a un peu de nourriture, genre entre les champignons et tout ça. Mais je voudrais bien cartographier ce qu'il y a le long des rails. Genre là, par exemple, il y a du toxique. On a vu aussi qu'il y avait des loups, donc faut faire gaffe. C'est vrai que je regarde le Wikipédia pour le thermos, voir un peu exactement combien de temps ça dure. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, j'étais très déçu du temps. Se mettre à l'abri du vent là. Je dirais qu'il pourrait avoir des grottes là-bas. Là. J'aurais peut-être dû prendre des torches. Parce que pourquoi cartographier les rails en fait? Parce que les rails c'est très simple en fait à suivre du coup. Ça nous fait une super direction. Genre si jamais il y a un brouillard de ouf ou un blizzard ou un truc comme ça, tu trouves les rails, tu sais où tu vas. My fingers feel numb.
Regarde si on n'a pas d'huile toxique. On peut monter. Ah. Intéressant. Okay. Il souffle d'où le vent? J'arrive pas à détecter le vent. Là, comme ça? Ouais, c'est ça. Là, on pourrait techniquement boire encore pour se réchauffer. Pas vraiment nécessaire. Ouais, au final, le thermo, c'est pas aussi utile. Je pensais que ça allait être plus utile, parce que je pensais vraiment que ça allait durer plus longtemps. Et bah, au final, bah, c'est un tout petit peu bof. Ok, là, il y a beaucoup de... Beaucoup de toxiques. Oh, il y a un train aussi. Ok. Ah, là, on peut pêcher, sûrement. Mine site. Alors, est-ce quand ils disent mine site, le site de mine, genre, c'est les mines les principales qu'on connaît, ou c'est d'autres mines? Ça, ça m'intéresse aussi. On va en boire un. Je vais mettre l'autre à l'intérieur, voir ce que ça fait. Genre la barre là, elle est comme ça, quasi un peu plus de la moitié. Fais voir si je fais ça. Hop, ça le chauffe. Mais est-ce qu'on a... Ah, on a perdu. Ouais, donc oui, c'est ça, c'est vrai, ça, c'est... Ce que j'avais dit, j'avais parlé la dernière fois, c'est par rapport au nombre de ceux qui sont chauds en fait à l'intérieur. Bon, par contre avec le vent là c'est relou. Non, ça va être personne. On peut pas rentrer, sac. Pas l'air d'avoir peut-être autour des wagons détruits là. Putain, elle tousse fort, la vache, m'a fait peur ce col. Okay, go, avance. Reste pas bloqué. Ok, on est bon. Et là, du coup, là, on est chez nous. Faudrait faire un feu et dessiner. On a du bois? Ah, si, oui. On va devoir boire par contre pour se réchauffer. Mais je voudrais dessiner en fait. Alors, ce qu'on va boire c'est... C'est ça. Très bien. Voilà, parfait. Ok, ça marche. Maintenant, je comprends un tout petit peu mieux la zone.
Je vais être honnête, je suis pas fan de me balader avec des torches. Pas ici en tout cas. Parce que vu que je sais que les loups ils ont l'air de s'en foutre un peu des torches, je préfère garder l'arc en fait à la main. Et là, c'est la sortie du coup. C'est pas mal. On va se mettre là. On va avoir froid au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Ok. I've never felt so cold in my life. Bon, bah c'est pas... C'est pas très... C'est pas énorme, énorme. Ouais, je suis un peu déçu. Je suis un tout petit peu déçu. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au feu, on essaie de se réchauffer. Parce que j'ai quand même quelques bois, donc bon, le feu, il devrait, on devrait pouvoir le faire chaud. Là, il n'y a rien. Ça, de toute façon, là, il n'y a pas de bifurcation. Là, c'est ligne droite, on sort, quoi. Donc, les tournants commencent genre ici. Je crois que ça, c'est le carrefour, en fait. Le premier carrefour qu'on rencontre. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'aller en arrière. Alors, fais voir un peu. C'est bon, là. Fais voir le... Zéro. Yeah, c'est bon, nickel. On va virer... Oh, quoi que pas la peine. Pas la peine, pas la peine. Ce qu'on va faire peut-être c'est dormir une heure à la limite. Genre juste à côté du feu. Ça pourrait être une bonne chose je pense. Et après on... On refait chauffer. Puis après on repart. Je sais pas où partir en fait. Là je commence en fait à me dire où est-ce qu'on va. Genre où est-ce qu'on peut aller maintenant? Parce que donc nous on est là. Genre là. Donc si on retourne du coup de ce côté, c'est pas très intéressant. À la limite faudrait aller dans les hauteurs. Si on tourne là, on va avoir, on va être au-dessus. Donc on peut pas directement descendre. Donc ça c'est un problème. Ouais, je dirais qu'on remonte encore une fois et on va dans les hauteurs. Ouais. Je suis un peu déçu, c'est pas... Pas super amusant, là. Donc bon. Je vais voir, on est presque la nuit, ça va. On va donc transférer, enfin refaire chauffer tout ça. Je vais essayer de me mettre à côté du feu, comme ça j'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. C'est quand même pas pratique. Hein. Je vais aller regarder sur internet, hein, voir si c'est moi qui fais un truc fabrication. Ah oui, si c'est moi qui fais un truc mauvais, mais non, mais y a pas moyen hein, de chauffer le contenu en fait. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible du tout. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre la gourde? Non, on peut pas. Hein. Merde. Non, il n'y a pas... Non, 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 il n'y a rien. Non, non, mais je suis quasiment certain qu'il n'y a pas de moyen. Hein. Tiens, on peut... Ça, on peut en profiter. Voilà. Comme ça, on sera prêt pour se reposer si jamais on doit. Ok, let's go. En plus, il fait pas froid. Donc là, faut faire gaffe, on repart dans le toxique.
On va aller sur le côté gauche pour esquiver le toxique le plus possible. Après, notre équipement, il se casse pas, on est d'accord. Parce que je... Ce serait que je fais plus vraiment attention. Non, non, c'est bon. Je fais plus vraiment attention depuis qu'on a les bottes, mais... Mais on sait jamais, quand même. Ok, le toxique. J'ai pris mon sac de couchage. Oui. Parce que ça serait un peu con de partir sans le sac de couchage. Ah, là-bas, il y a un bois. On va reprendre des bouts de bois. Ah, mais c'est pas pour faire des flèches. C'est pour faire un arc. Bon, en gros, c'est pour le travois. Mais ouais, il paraît qu'ils avaient, rajouté des... bois. Par contre, on va aller peut-être là, tiens, du coup. Parce que j'avais pas vu qu'il y avait une... On pouvait s'engouffrer, en fait, dedans. Donc, du coup, on va en profiter. J'ai rien dit, c'est un cul-de-sac. Bah, c'est un bon endroit pour se cacher, par contre. En plus, c'est en cuvette, là. Vous mettez le feu au centre, normalement, vous risquez rien. Le feu devrait tenir. Bon. Est-ce qu'on dessine un peu encore ouais. On peut se mettre là, à la limite, pour dessiner. Je crois que la torche va s'éteindre. Ah non, ça va. Très bien. J'avoue que si c'est le côté gauche, si c'est seulement le côté gauche où il y a des animaux, bon, j'avoue qu'on est limité. Et je vais être honnête, c'est vrai qu'on est limité. Pour chasser. Mais ouais. Y a pas de loup. Je me demande d'où est-ce qu'ils viennent exactement. Ceux qui nous avaient, vous savez, nous avaient accueillis. Les tout, c'est, y en avait 3, je crois. Là-bas. Ça va. Est-ce que je peux monter là-dessus, moi? Aussi, on a deux diaporamas là. Et ils disent tous. Enfin, je crois que les deux parlent de hauteur. Donc, il y a sûrement des belles hauteurs en fait. Des endroits où on peut. On peut voir beaucoup de choses. Si je fais ça directement, voilà, très bien. Ça servait à rien, ça fait plaisir. Alors, côté droit ou côté gauche ? Côté droit pour aller dans les montagnes. Je crois qu'il y a du toxique devant nous par contre. Ouais. Ça va. Je prends tout ce qu'on trouve, hein. Évidemment. Alors là, faut faire gaffe que... Non. Ouais. C'est ce que je pensais.
Je savais que ça allait pas le tuer, mais bon, j'ai voulu tester. Après, on a beaucoup de flèches, donc c'est pas très grave. Toujours attacher la flèche. Ah merde. Voilà, ça fait deux flèches par contre. Oh la vache. Bon bah va là, parce que c'est là que je voulais aller, moi. Donc vas-y. Ah, si on touche pas les têtes, hein, c'est chiant. Hein. Si on touche pas la tête, c'est très très agaçant. Pour ça que la plupart du temps, je fais jamais ça. Mais bon, là, je voulais en profiter. Je voulais voir si, en fait, si j'arrivais à toucher la tête pendant qu'il bougeait pas. Mais on aurait dû le faire venir sur nous, comme d'habitude. Bon, il devrait mourir dans pas longtemps, quand même. Vite, 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 vite. Merde. Monte pas! Bah, je fais de la merde, j'aurais pas dû faire ça. Reviens! À gauche, à gauche, à gauche. Pas dans la droite, vas-y, ouais, 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 ouais. Ok, cool, parce que là, ça commence à me gaver. Ok, c'est bon. Ça commence légèrement à me gaver, là, par contre. Merci, c'est sympa. Mais bon, ça va. Elle est où ma torche? On a... Ouais, on a un peu touché du... Waouh, ça résonne ou quoi? Je sais pas, j'ai l'impression. Ah, j'entends, je crois, des oiseaux. On va prendre ça. Mais ouais, j'avoue que là, il faudrait trouver des animaux. Un peu embêtant. Faut aller dans des nouveaux endroits, tout simplement, bien sûr. Là, on va suivre la zone de glace. Là. Un truc qu'on pourrait faire, c'est s'arrêter pour pêcher. J'avoue que, comme j'en avais parlé la dernière fois, on pourrait pêcher. Ah, intéressant. C'est quoi ce pont? C'est quoi ce pont? Territoire du chef. Ah! Je sais ce que c'est. C'est les... C'est où la radio nous a menés. Si vous vous rappelez. C'est exactement où la radio nous a menés. Le dernier épisode. Donc le pont qu'on voit, c'est celui-là qu'on avait vu dans le premier épisode. Donc ce qu'on va faire, on va monter, on va aller exactement là où ça nous mène. Vu qu'il fait... non, le temps qu'on... Non, on pourra pas faire de feu avec la loupe, mais presque. Par contre, est-ce qu'on peut monter? J'ai un petit doute, là. Ça a l'air d'être vraiment très très pentu. Peut-être que je peux... Aller sur la gauche. Je vais me péter une jambe. Oh la vache, ça m'a fait peur. Putain, je déteste ce truc, quoi, c'est débile. Chien. Attends, on est loin du poison. Ah là, c'est débile ce truc à chaque fois. Ça me fait un putain de jumpscare, c'est ouf. Ouais, non, on peut pas faire ça.
pour aller dormir sur la gauche. Par contre, on va avoir un problème avec le son, vu qu'on est en douleur. Donc, si jamais les loups, ils aboient pas en premier, on va avoir du mal à les entendre arriver. Du coup, on est à la hauteur, là, ou c'est trop bas encore? Non, c'est trop bas. Ouais, c'est trop bas. Je me rappelle qu'on avait, on était monté là, on avait fait ça. On perd un peu de vie là, on perd beaucoup de vie même. On va y remédier. Voilà. Nous aussi, si vous vous rappelez, on a des cordes. On avait trouvé une corde, je crois bien. J'ai l'impression qu'il y a des oiseaux sur ma droite. On verra ça après. J'ai pas fouillé ça. Oh putain, ça tue. Il fait tout... Ouais, non, honnêtement, j'aime bien cette zone parce qu'elle est pas... Elle est pas très très horrible, en fait, pour se balader. Donc ça, c'est une bonne chose. Come on, little fire. Très bien. Cool. Il nous faut plus de... Il nous en faut plus de bois, merde. Oui, si tu veux. Ah mince, est-ce que ça... Ah, cool, oui, on peut... Oui. On peut soigner la douleur avec ça, c'est vrai. J'ai pris le bon. Je le fais jamais, hein. C'était pas vraiment pour ça, c'était juste pour me soigner. Pour me réchauffer, pardon. Je vais être honnête. Je voudrais juste trouver un peu plus de bois. Oh putain, c'est un lapin, ça me fait peur. Il n'y a pas de bois. Ah, ils sont là, ils étaient là, les oiseaux. Je viens de les voir partir. Ouais. Donc, il y en a. Vas-y, ramène-toi. T'es où? T'es là. Très bien. Donc, il y en a bien. C'est des livres. Ah, arrêtez de glitcher, j'aime pas ça. Je voudrais dessiner aussi parce qu'on est en hauteur. Ah, très très bien. Oh, point de vue, explorer les environs et une grande partie de la région. Ah, mais ça a marché du coup. Intéressant. Hein. Ça a marché, mais ça nous a pas indiqué en fait sur la carte le Polaroid. Intéressant. Donc ça fonctionne en fait. Bon, ça fonctionne à moitié. Ouais, c'est bon à savoir du coup. Ce que je voulais en fait, moi je voulais monter sur cette branche là et dessiner. Parce que vous savez, plus vous êtes haut et plus vous dessinez de loin. Donc je me suis dit, on va en profiter. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Alors, on va manger ça. Est-ce que le feu est chaud chaud ou pas? 18 degrés, c'est pas énorme 18 degrés franchement. Non, c'est pas énorme, il m'en faut plus. Faut au moins plus d'une vingtaine de degrés. Puisque 20, moi j'ai le sac de couchage, ça fait plus 8, un truc comme ça. Donc on arriverait à plus 30 si jamais il y a une tempête et tout. Les tempêtes, ça peut être moins 40, moins 50, trucs comme ça. Hein. C'est méga rare parce que là, on serait protégé du vent et tout, donc on, ça ferait pas aussi froid, mais voilà, on sait jamais.
Je crois que c'est quoi? C'est 1 degré par bâton ou 2 ou 1,5, un truc comme ça. On va dépecer le lapin et on va dormir. Ah, je vais peut-être casser des torches pour des petits morceaux de bois. Très bien. Degrés. 23 avec 9, avec quasiment 10. Bah là, c'est bien. Là. Très bien. On va dépecer le lapin, on va le faire cuire. Et ce sera la fin de notre petit épisode. On fait tout au couteau. Je sais plus s'il faut faire tout au couteau ou pas. Le boyau, c'est quoi? Ouais, tout au couteau. Très bien. Le risque d'empoisonnement chimique, on le gère aussi super bien. Je trouve pas que c'est très dangereux au final si on joue comme nous. Genre, on, des fois on passe un peu dedans et tout ça, mais on part en fait. On part et du coup, on le soigne avec le temps. Je l'ai vu des gens apparemment qui le contractaient et tout ça. J'ai pas... Je sais pas, les gens ils forcent trop peut-être ? Genre il force vraiment trop dans les zones. Il y a quoi là-bas? Faut qu'on aille voir quand même. Je comprends pas pour comment les gens ils peuvent contracter ça. Alors après par contre un truc qu'il peut prendre en traître, c'est le fait que ça l'indique pas quand on est à côté du poison. Enfin parce que en plus faut même pas être dans la zone, autour de la zone on contracte du poison. Donc ça j'avoue que ça peut prendre en traître, genre si on fait pas trop attention, mais bon au bout d'un moment notre personnage nous le dit quoi, donc bon, enfin je sais pas. Quand je disais waouh il faut un steam genre pour soigner et tout ça, je me suis dit waouh putain c'est vachement abusé et tout, mais au final bon c'est pas très dangereux non plus donc, pas grave quoi. Enfin c'est pas le truc qu'on va contracter tout le temps quoi. Alors on est bon, on a des massettes si besoin. Ça c'est frais, on va le déposer pour comme ça on sent pas pendant qu'on dort. Ouais, je voulais faire ça ouais. Avant qu'on se quitte, parce que sinon je vais oublier. Ça, on le prendra quand on partira. Okay, très bien. 3 de chaque, c'est très bien. Et on va faire... Pas mal. Mettre dans l'inventaire. De voir, j'en ai encore des 100 ou pas? Ah si, j'en ai encore un. Chier. J'ai un peu envie de le boire en fait. Genre le boire maintenant. Comme ça on récupère encore un peu plus de vie, à la limite.
Ah oui, on peut faire du café, ça va. Ouais, même si c'est à 0%, on peut. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais pas regardé. Donc ça, ça fait 10, c'est bien. Très bien. Ça aussi, très bien. Parfait. Combien? 3 heures? Enfin 4 heures. On va dormir... Attendez. Bon, on va regarder si on peut pas retrouver... encore un peu de bois, parce qu'en plus il y a le vent qui se lève, donc j'ai un peu peur que ça soit pas assez froid, chaud pardon. Le feu dans le tonneau peut pas s'éteindre, il est protégé. C'est pour ça que ça c'est vachement bien de trouver ça. Vous voyez, on a quand même froid là. Donc chaque petit chaque petite brindille est importante. Je pense qu'on va continuer dans cette direction. Enfin d'abord, la prochaine fois, on ira quand même en face du... J'ai pas regardé la carte aussi. On ira quand même en face avec le pont là, voir s'il y a quelque chose en face. J'imagine que peut-être on va trouver des bois pour faire, vous savez, des arcs et tout ça. Il y a souvent des zones comme ça en fait. Chaque fois qu'on voit des zones isolées, parce que ça a l'air d'être un super cul-de-sac. Je vais être honnête. Ça a l'air d'être complètement un cul-de-sac. Donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien du tout. Ou alors, c'est peut-être une zone de mission. Peut-être de quête. Mais bon. Après ça, c'est autre chose. Mais on a l'air d'être tranquille ici, ça c'est bien. Si on peut se protéger du bois, j'essaye de couper des trucs... Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Se protéger du bois, de se protéger du vent. Ça va être trop loin. Ouais, c'est trop loin. Ouais. On va... Ça va, notre vie est potable. Je crois qu'on a encore le repos, non? Qui est actif. Yes! Ça c'est bien ça. Nickel, on est à 33 degrés, on risque rien, ça va, nickel. Je crois qu'on a encore le repos. Yes, on a le repos amélioré. Donc on peut dormir 6 heures. Bon. Ça va être la fin. De notre épisode, hein, bien sûr. Ça va être la fin. On n'a plus rien à faire. On a tout fait. On a donc ça. Et le site de crash. On n'a jamais trouvé de site de crash. Ou de site qui ressemblait à un crash pour le moment. Donc ouais. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit pour dormir? Genre derrière. Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas passer. C'est vrai qu'on n'est pas super protégé du vent en fait. Ça fait un peu peur, mais... est-ce qu'on a chaud? On ressent le feu. C'est pas énorme par contre. Donc bon, non, c'est pas vraiment une bonne chose à faire. C'est pas une bonne chose à faire. Allez, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là.
on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine fois, on continuera notre petite exploration. Donc, en premier, pont. Et après, directement l'autre côté. Donc, là, je crois. Là, ici, le pont. Puis après, on remontera. Genre, là, si on peut, ou là-bas. Je sais pas exactement. Ouais. Allez, on s'arrête là. Et moi, je vais en profiter, parce que je sais... Alors, vu que j'ai fait en avance ces épisodes pour les membres, du coup, je sais pas si quelqu'un m'a répondu encore pour les gourdes isothermes. Mais à ma connaissance, voilà, y a pas de, on peut pas les faire chauffer. Mais je vais aller regarder sur Google, au cas où. On va dormir 5 heures. De toute façon, le feu... On pourrait même dormir 6 heures, honnêtement. Le feu, il sera encore là. On va peut-être dormir 6 heures. Ouais. À la prochaine. Ciao, ciao.